lumière qui est en train d'avancer, qui est en train d'avancer dans l'église. Alors, si l'église n'avance pas, si les gens qui sont dans l'église, si les croyants ne se lèvent pas pour avancer et chasser la mort, d'avancer vers les ténèbres, avancer vers l'enfer, pour que l'enfer puisse rentrer, reculer, fuir avec ses portes infernales, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. C'est pourquoi l'enseignement de la foi a été donné pour que les enfants de Dieu puissent croire. Cet message est un message de la foi. Il faut croire en Dieu parce que c'est par la foi que ce dont on a vu dans les livres des Hébreux 11, c'est un passage à lire. C'est une des livres des Hébreux 11 nous montre des hommes et des femmes qui ont fait de grandes choses, qui ont obtenu de grandes choses par leur foi. Alors, la foi en Dieu nous amène à voir des choses de Dieu. La foi en Dieu nous amène à voir la gloire du Dieu. Comme il est écrit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pendant son œuvre sur la terre est possible. Tout ce que le Seigneur a fait est possible. Comme il est écrit que rien n'est impossible à la foi. Quand on croit, on voit des grandes choses. Élie, quand il s'est mis pour stopper la pluie, c'était par la foi. C'était un homme comme nous, la Bible nous dit. Il s'est mis, il a prié, il n'y avait pas de pluie. Et puis, il est encore revenu après, il a prié, il avait la pluie. La Bible dit que c'est un homme comme nous. Mais la différence est qu'il avait la foi. La Bible nous dit qu'on peut avoir la foi. Parce que Dieu a donné une mesure de foi à tout le monde. Maintenant, c'est à nous de faire croire, de faire agrandir